Eh bien voilà le Maroc qui se moque des malheurs de l'Algérie et du peuple Polisario. Alors comme ça l'Algérie serait un pays fragile. C'est le Maroc le pays fragile, deux touristes tués et c'est la fin du tourisme au Maroc, plus d'économie, le pays va sombrer dans la faillite, plus les moyens de payer le TGV ni le satellite espion alors que Google Earth fait le boulot. Le terrorisme en Égypte et en Tunisie a beaucoup profité au Maroc et Israël. Mais ces pays sont très fragiles, quelques touristes tués et c'est fini de ces pays qui vivent du terrorisme, ils ont créé Daesh, ils assassinent des enfants au Yémen et en Syrie et en Irak. Maudits soient ceux qui assassinent des enfants musulmans innocents et qui volent leur gaz et pétrole et détruisent leurs maisons. Que Dieu anéantisse les terroristes comme le roi du Maroc et Benjamin Netanyahou et ceux qui les soutiennent. Le terroriste marocain Sissi a détruit l'industrie touristique égyptienne par des attentats terroristes sous fausse bannière, tout cela pour détourner les touristes vers Israël et le Maroc. Il est étrange de constater que le terrorisme ne touche que très peu le Maroc, un pays pourtant musulman et maghrébin comme la Tunisie ou l'Algérie ou la Libye, et un pays arabe comme la Syrie ou l'Irak ou la Palestine. Sans doute ceux qui mettent le feu chez leurs voisins ne veulent pas brûler leur propre maison. À qui profite le crime, à ceux qui en sont victimes ou à ceux qui dans l'ombre tirent les ficelles? Le Maroc a bénéficié du terrorisme en Tunisie et en Égypte, de là chacun est libre d'utiliser son cerveau pour en tirer les conclusions logiques. Bref, tous les pays africains sont victimes du terrorisme sauf le Maroc, bizarre, comme c'est bizarre.